Voilà, le respect de la parole est une très bonne chose. On n'a pas duré, hein, nous sommes de retour pour donner cette fois-là la parole à Gogo Londolé sur les propos sur la délimitation frontière entre la République démocratique du Congo, notre pays, et le voisin qui est le Rwanda. On ne choisit pas ce voisin. Tu peux savoir ce bref historique. Il y a Makambango, bref histoire, Makambango de Nézaël Goleka. Au fil des années, hein, avec Jojo Maïl, et merci en tout cas pour cette contribution. Mais qu'est-ce que tu en penses, Gogo Londolé? Tout le monde a congolais nous soit réagir par rapport à propos, à la réaction à yo, à ton walélo et salinini. Le bien que Moganayo Congo, ma belle dame, à Congo, à Rwanda, à Rwanda, à récupérer Bornoba. Au moni, Kolokandeko, Jojo Maïl et Koloba, ça c'est l'historique de notre pays. Mais la grande question est ça, boué. Est-ce que les Congolais sont des Makambouana? Au moins, c'est peut-être une minorité. Il y a même des parents avec Makambouana. Ils ont une notion de chic, non? Une notion de chic, mais chic, au moins, dans le Congo, il y a chic et chic. Là, nous sommes des gars dans chic, mais nous sommes des matières. Ou soit les gars dans chic, mais jour en haut, à qui m'a dit? Professeur, on appelle ça mon chapitre. Ils ont l'état Congo. Moi, je pense que dans le stade d'Otokomi, Babara la français, c'est fait la Bible, écoute, de la, c'est de l'abondance du cœur qui la bouche pas. Tika gama comme le niveau à l'oubango boué. Donc c'est que les élus qui font la carte à mon thème, ils peuvent mission. Et puis, c'est quoi le danger? D'abord, sous cette information, on a mis au soir. Même la école, baso te ya ba rwande, ou amike. L'école n'a pas beaucoup. Bao te ya bango. Kenneza on a biso, ma belle est wana, kota bago mawana. Et ça a, appartient à bango. Et puis, dans la même pasteur mo rwandais, à Otea, Kuna la Rwanda, na quatre églises, s'il vous plaît. La vidéo existe, oui. Pasteur à lobby, Bana Israël, Kane Zaka et Bangote. Mais nous avons appelé ça Bango Kana. Bisopé Rwandais, RDC, parti Wana. Non, mais c'est Bango. Nous avons appelé ça Otea, na Kana, j'ai pas la Bible. Autre na Kongo, on a appelé ça la Bible. Mais amen. On a eu Goma et Zakana. Il est Kana. Il faut pas conquérir. Aïe. Et quand c'est un peu toi et moi, nous sommes salades. Parce qu'on a été le Kana. Alors, ce qu'on dit, c'est Congolais. Au moins, on a pas ces années. Bah, Congolais, puis on a passé tant plus dans la loisir. Maman, je suis de Tali Bisoté. A te Kenango. Il y a d'autres Congolais qui disent ça. Je suis de Je m'en fous. Et ça, Nin. Moi, je pense que l'État congolais, faut assaisir le Kambo. Il faut une école. Dans ma université, et comme on a dit, il faut que l'on ait une partie à Congo, oh bah ça la question c'est bien bah mariage c'est à dire soit dans la carte à Bible au moins même Nzambi na Bible bah mariage nasoya Nzambi na Bible c'est ça bah en Israël bon bah la Bible aïe bah un danger Samson t'as ma balaka délit là au moins à l'époque soit dans l'histoire Israël au moins là que avant bah roi était comme un juge donc il est bon il est chef de l'État ça dit Samson a rappelé quoi chef de l'État il y en a il y a Israël avant l'île de l'île. Ah, si quoi yo, t'as ma dinga balle, ma parane ma plus abo yaka. Ma yo karate yaki balle de l'île. Mais t'as la suite n'amo. Bah, soit Samson, héros n'abamo, à partir à moi si. Moi, je pense que dans ce stade d'autocomi, il faut même un nouveau apparent m'enseigner ban. Kobal na congolais, mariage congolais, congolais à ma bête. Parce que le mytho est aux alliés, et ça monde entier. Et soit compatible bisou. Bah, la pose à ma côte la bisou. Alors, mariage, elle dit, donc, maman a stratégie. Donc, qui n'a pas le baga. Pourquoi ça bisou bien? Dans un exemple, le long à la balle, Rwandais Moko. Parce que Rwandais, on attend à juillet. Il y a une mission. Mission suicide. Ça dit, attends, on continue quelque part. Moi, si on a le rôle à Delhi là. Parce que j'étais venu pour se partir dans l'Est. Donc moi, je pense qu'il est temps, dans la minute, dans le Congo, même mes parents. Et j'ai aimé, dans mon avis, dans les réseaux sociaux, un papa qui a annulé le mariage. Il y a moins d'un Rwandais Moko. Ah bon? Oui. Au moins, ce sont des parents qui ont compris. Mais c'est le coup en principe, il faut dans le niveau média, dans le niveau école, enseigner ban. Il y a un danger mauvais à dire parce que Kagama a déterminé. Il y a un filtre partout. C'est-à-dire, à ça, tout de façon que, tant que tu es Rwandais, il y a un bolingoté, il y a un congolais, il y a une mission.
bas à partir Estéwan. Voilà pourquoi les Camouya, les Camouya, les Tala Congolais n'y ont pas. Tous ont pris nos séries, comme on va se débat, n'a pas télévision, n'a pas radio. Mais ça, tu bandes. Eh, tu bandes, mais est-ce que tu as mis sur mon côté? Ok. Au sommet, on a des pièces à la. Moi, on a commencé à dire. Comment ça ressemble à ma moto à paille? Pour les motos à paille, et où me la raté? Derrière, on est loulou. Ouh, ici, les. C'est le mot boy. Eh, bah, Milamba, bah, motif militaire, et ça, c'est succès. Tant que vous avez un peu de temps, mais t'as là le loup. C'est-à-dire, les amis, feu de paille. Il faut que nous avions que même cours. Dans le niveau école, c'est cours de l'homme. Attends, régime est long, mais cours est au. Parce que dans le fait que l'idéologie, pour avoir ce matin. Elle est comme que, il faut que le toi se réveille parce que Rwanda a déterminé. C'est sérieux. Très bien. Voilà, donc nous sommes en train d'en parler en tout cas. Bisson à Tonga, le loto, l'alissi, misoté, Tolobi, Yamotobi qui, très cher Congolais, très cher peuple congolais, soyons vigilants, alors très vigilants par rapport à Neng Makambo, comme Kokende. L'obito Mounaki, c'est Ramoboutou, Babi Toumba, partout, on a Mouzeye, Neng Moko, Joseph Kabila, Neng Moko, Félix Antoine Tshisekedi, le loto, Neng Moko. Et Tito, comme il a un niveau que Bourreau, à bombir souté à lobby que n'aille pour me n'en a pas tu en a pour les arrêts à bisou n'a cal déni kamunga quand même bien il a congolais au réagir en tout cas ces propos expansionnistes ana et singuli vraiment au nion soit allé moi dans congo à solo à télé mélango bien que nous questionnons l'histoire ndeko jojo a fongole libiso mwa nzela mwa mke ya ko kotsa biso na histoire ango mwa mke to comprendre mais tout ça ezali na erreur ya bakoko na biso ya bakunzi na biso nyimoko na parce que moi si je me pose la question aujourd'hui Paul Kagame qui s'est mis à réclamer les terres tout ça et qu'on sort il doit avoir une maladie mentale car ndenge ndeko jojo lobi qui doit avoir vous avez parlé d'une anémie épilepsie communicationnelle une épilepsie communicationnelle mais comment est-ce depuis tout ce temps Kagame nous a fait croire que le M23 était sur les sols congolais pour traquer le FDLR si j'ai bonne mémoire les EDF et les FDLR qui combattaient le Rwanda mais qui s'étaient réfugiés dans les collines du Congo, dans les collines de l'Est du Congo. Et aujourd'hui, Kagame vient vous dire, il met dans la tête, azo semé na mitu ya bana na bango, ya ba proni ba génération koya que les Congo azala kanate en absence. Donc c'est comme si l'Ukraine aujourd'hui dit que Russie aboto la biso mabele na biso no Ukraine azo signé Russie alors que Ukraine contient dans la Russie autant de fois. Ce qui totali millions de kilomètres carrés congolais en haut, bana ya première, deuxième, troisième, disons jusqu'en sixième primaire, ba histoire wana ezali susuté. Alors qu'il faudrait commencer par kotangi sa bana nan histoire africaine et histoire congolaise. Revenons à la culture, hein? Ne perdons pas la culture. D'abord nous les médias aujourd'hui nous avons perdu notre sens des diffusions. Il n'y a pas programme. Si vous regardez dans plusieurs médias bah émission il y a histoire ya mboka hein je peux examiner alors que ce sont des émissions éducationnelles culturelles qui peuvent faire quoi les loyaux je crois que ce qui est aujourd'hui nani reconnaissance il y a Simon Kimbangu bah congolais belé bah histoire ya Kimbangu beaucoup de congolais l'ignorent est-ce que na France bah kotangi samwana il y a primaire histoire qui me parle vite à toi qui me bang je ne crois pas non autant que ça va Jeanne d'Arc na bambo biso non biso sikoyo biso sikoyo ndé bazoya kotangisa ba Louis 14 ba ya kotangisa biso ba Reine Elizabeth ba ya kotangisa biso ba général Charles de Gaulle mais il y a des gens qui ont fait des choses ici au Congo les Nzingankuvu les Ilungambidi mais histoire wana toyeba kango lisusu te il faut lire mais la culture de la lecture est à la casse parce que nous vivons de la dégradation. Les vieux TH que je salue en passant, Thomas Loa, Kalo Senjo, là, je connais le Congo. Mais je connais le Congo, c'est plus politique. Je connais le Congo, devrait être historique. Hein? Allons, moi, je connais le Congo, la politique. Ah, mais moi, bon, est-ce que ça, l'émission spéciale, je ne connais le Congo, dans ma gambo, mais oui, c'est ça. Voilà le moment. Est-ce que Kagame était vivant? Il était déjà né? Tango, roi, c'était le roi Léopold,
Léopold II et le roi Charles Ier. Tant que Yokana qui pouvait kabola mabele, on a kaka était déjà là en 1800 quelque. Est-ce qu'il était déjà là? Par quelle histoire? Par quelle issue? Parce que tu es kaka ma colline aux États-Unis d'Amérique. C'est là où on lui a appris que donc les problèmes fonciers entre la RDC et le Rwanda, c'est une partie de la RDC donc du Rwanda qui est comprise dans la RDC. Non. C'est un mascara à sentir vraiment qu'il est au bout du tunnel. Mm-hmm. Alors il doit chercher par tous les moyens pour provoquer que tu vas congolais bambandi. C'est nous qui devrons cette fois-ci envahir le Rwanda et réclamer nos terres que le Rwanda a confisquées. Si je me rappelle, c'est Kassindi, une partie de Kassindi en saute. Mais ce sont les Rwandais qui y vivent. Ce qui n'a eu Bakambagogo pour chuter. C'est par notre propre hospitalité. Congolais, Oyebi, il y a des étrangers ici au Congo qui sont libres, qui vivent librement. Batambola Kimia, mais biso ataka en Angola ya pamba o balobara ceux qui documentent. Biso awa, chinois azolo balingala azoli ya matembele, chinois azoli ya kamundele. On ne sait même pas lui poser. Moi, j'ai rencontré un Togolais ici, Azo Salamoto. À la Kissingaï passeport, il y a depuis 2011, mais nous sommes en 2023. Donc, il vit illégalement pendant 12 ans sur les sols congolais. Et il après, demain, il dira quoi? Je suis congolais. Donc, il faudrait un peu que Tomeka, Kozonga, Nasima, Makila, Kongo, Abumisangote, nous sommes les pays les plus puissants d'Afrique, puisque nous sommes au centre, au milieu de l'Afrique. C'est nous qui sommes les ponts de toute l'Afrique. Alors il faudrait que les Africains viennent vers nous, et pourquoi pas les Occidentaux. Ils doivent venir vers nous. C'est un sujet que Tobandi a peut-être l'élo par rapport à ma propos où tout le monde est un peu malencontreux. Tobandi m'a rambo l'élo. Nous allons faire cette campagne là et à côté à ma congolais par rapport à l'espace on va même, pourquoi pas, des émissions, des enquêtes, des documentaires que tout n'a pas tout. Isidore Ndaïwel, il est en tout cas dans le focus de sur cette semaine. Tout le monde a, il a déjà parlé, mais comme on a dit, ce que un peu, tout le monde a dit, on 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 a dit, je crois que on a dit, par rapport à ce sujet, Oyo, ça lit moi bref historique, mais on a dit, on a réagir, on a dit, on a point de vue na bango, n'a pas plus de solution. Gogo a dit que même Makambo, on a Bible et ça peut nous créer des problèmes demain. Denis Kamunga a dit il faut mettre la rabiso li solo na biso moko. Le on est sur Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte, c'est là qui va être qui pas vite à côté de éviter Simon qui m'en appelle. Vous pensez que nous pouvons faire quoi pour que peuple congolais, parce que Kagame, quand il est dit, il ne voit pas seulement lui aujourd'hui, hein. Même dans le futur, lobby, il y a quelqu'un qui a été en train de se faire. Le roi a été résisté, le lot, donc continuera à résister, moula dans moula, pour que cette partie reste nôtre. Alors, moi, je vous félicite déjà pour la quintessence merci. Du sujet, parce que, au moni, ici, nous sommes en train de réfléchir et nous parlons ce qui est factuel, ce qui est objectif. Je vous félicite pour na Bajan Yabasujo. Et puis, comme vous aviez dit toute la semaine, il faudrait vraiment le prendre parce que le roi Meyel est la quatrième force. Il faudrait qu'on vulgarise certaines informations pour Bélé Bayébité. Alors, moi, j'ai soutiré des éléments tant que j'ai soutiré la question du mariage, j'ai soutiré la question de l'enseignement, et puis j'ai soutiré. La question est un contentieux encore historique que nous n'avions pas dit. Alors, parlons de la question du mariage, n'a qu'on relié à la question de Mobeko, la loi. Parlons de la question de l'enseignement, n'a qu'on relié à la question du système éducationnel. Alors, et puis il y a un contentieux historique, c'est un élément indicateur aujourd'hui qui a laissé une dette psychologique aux Rwandais. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de la République, nous avons eu la chance, peut-être il y a autant à bien. Je salue nos professeurs qui nous ont enseigné Likambo Kolo, les Ndaïwel, les Moussaou, je salue. Lorsque vous lisez l'histoire de la République démocratique du Congo, les contentieux fonciers, Yamabele, entre le Rwanda et la RDC, et Tikala Kouzala Vramante, et Bandi Wapi, contentieux fonciers, Yamabele, et Bandi, après la signature de l'accord de l'Emera, en 96,
Quand Moussa Laurent Désiré Kabila signe l'accord de Demera, dit qu'il va octroyer 300 km de terre dans les pays voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi, après 96, lorsque Moussa vient le 17 mai, bah, continue la rébellion et que les accords n'ont pas été respectés. Ces personnes-là, une année après, ils vont revendiquer et ils vont former une rébellion. Et la psychologie, il y a guerre foncière. La présence rwandaise existait, mais ils n'ont jamais réclamé les Mabélé. Ils n'ont jamais réclamé. Sous Mobutu, vous allez comprendre que à un moment, ils ont réclamé la nationalité parce qu'ils se sentaient étrangers. Mobutu a appelé ça nationalité. Mais à un moment, il est venu récupérer la nationalité. Avec son dirkab, oui. Bisengiman. Oui. Ils n'ont jamais réclamé Mabélé. Jamais. Ils n'ont jamais. Alors, réclamation à Mabélé, on les a dit dette historique. La bêtise, moi j'appelle ça même une bêtise historique qu'avait fait Moussa. Psychologiquement, c'est resté. Quand psychologiquement, c'est resté, il y a un moni ben que même le système éducationnel n'a pas pour dire que nos terres sont une partie en République démocratique du Congo. La question du système éducationnel, c'est très important. Aujourd'hui, il faudrait que nous ayons un système éducationnel à la congolaise. J'ai un peu eu à voir quelques vidéos sur le système éducationnel asiatique. Particulièrement, vous prenez le système éducationnel coréen et japonais. C'est que moi, dans la dimension il y a maternelle, âge il y a maternelle, on ne va pas dans la démarche il y a coloriage, comptage, non. Ce sont les mœurs et les valeurs sociétales qui sont apprises. Pourquoi? Parce que, baby, que moi, dans la zone, il faut aller dans l'ADN de la société. Une société sans son ADN, c'est une société perdue. En anthropologie politique, nous avons étudié, il y a une guerre ici en Afrique entre la modernité et le traditionnalisme. Alors la modernité qui est un vent extérieur prend le dessus sur le traditionnalisme qui est un vent africain. Au moment où on a choc, il y a la culture wana et ça là que modernité et joie place. Et de deux, le mimétisme que nous avons. Le mimétisme, c'est du copier-coller. Nous copions de l'extérieur pour tout prendre ici. L'Occident a fourni le bisou Yamabete. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il faut copier de l'Occident? Très bien. Le système éducationnel congolais aujourd'hui, je suis de l'Union sacrée, mais je plaide pour ça dans l'autorité. Je vois le ministre de l'EPST, Tony Mouaba. Il faudrait réfléchir sur la restructuration du système éducationnel. Dire restructuration du système éducationnel, dit aussi restructuration du contenu en matière. L'histoire dont j'ai parlé ici, quand je parle de la confédération des Bazir et le royaume Mubushi, les gars, normalement c'est une histoire depuis la première primaire, deuxième, troisième primaire, il faudrait m'enseigner histoire wana. Normalement, il faut m'enseigner histoire wana. Quand on parle des neuf royaumes du point de neuf royaumes, il y a qui voulait les confédérations. Mais par manque, il y a quintessence, il y a matière dans l'histoire et dans l'abisso. On vient enseigner cette histoire-là, peut-être quand tu arrives en première graduée ou en deuxième graduée. Or, l'université, ce n'est pas le fondement d'une personne. L'université, c'est les rajouts au-dessus des fondements de ce que tu as. Très bien. Alors, je vais finir par l'autre question, la question du mariage. C'est très important. Au Moni, moi, je suis un chrétien, je vais me rallier à la Bible. Il y a un peuple à la Bible qu'on appelait les Moabites. Quand vous lisez les livres de Genèse, les Moabites, ce sont les parentés des Israélites. Parce que les Moabites, c'est moins à l'autre. Moins à l'autre, aboutit à moins à moi aussi. On m'appelle ici Moab. Mais le Seigneur dit tout au long de l'histoire d'Israël, Israël, jamais beaucoup qui ça là, alliance n'a pas Moabite. Kobala n'a pas Moabite. Mais fondement, il y a Moabite et sa parenté Abraham. Ça signifie que la question du mariage, c'est une question qui doit être réglementée par la loi. C'est pourquoi chaque société doit avoir les lois qui correspondent aux réalités de sa société. La loi des pères et des mères, c'est l'une des lois qui va correspondre aux réalités de notre société. Pourquoi les réalités de notre société? Parce que lorsque nous réunissons tous les faits, vous comprenez que les réalités de notre société correspondent à cela. Le Congo, c'est un pays qui est multi-ethnique, qui est multi-tribal. Ouais. La dimension est multi-tribal, voilà, il faut qu'on adapte la loi pour sécuriser la loi. Parce qu'un jour aussi, vous allez voir, Bantou, il y a
Il y a Cameroun, ils vont réclamer des choses ici. Voilà. Vous allez voir les Soudanais. Les Soudanais. Voilà. Non, vous allez voir les Soudanais à Centrafrique. Mmh. Qu'on appelle, parce qu'il y a aussi les Soudanais à Centrafrique. Non, le Mbandi là-bas. Mmh. Ils vont réclamer des choses ici. Voilà. Ça, ça touche Gogo Londoné directement. Parce qu'il s'agit des Équatoriens. Donc, voilà, on va lire les textos des gens qui nous ont écrit. Ils sont en tout cas nombreux. On va choisir quelques textos. Je trouve que le sujet est vraiment intéressant. Parce que Bazola Ndabiso est belé, belé. Hein. Donc, ça, c'est le point de vue de Joe Maele. Hein, il a côté des pères et des mères. Ils en ont propositionné. Non, non, pourquoi on a donné la parole. On a pour dire que la configuration à loi, on a ça reflète une autre société. Voilà. Il y a un monsieur qui nous écrit depuis Matadi Kibala qu'on salue. Il a dit bonjour, c'est monsieur Joseph Matadi Kibala. Merci, monsieur. Depuis l'avènement de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, Paul Kagame n'est pas tranquille. Il sait que c'est fini. J'invite tout celui qui sait qu'il est réellement congolais de soutenir Fatih, le FRDC et les forces qui nous soutiennent, qu'il mette de côté toutes les divergences politiques, constituer un bloc contre le Rwanda. C'est le Rwanda qui a commencé, nous devons riposter. Paul Kagame était malade mental. Lui qui disait jadis qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin, ni de près au massacre qui se perpétue à l'est de la RDC. Aujourd'hui, il réclame une terre du Congo. Paul Kagame actuellement est comme un serpent déjà coupé en deux parties, dont ses membres sont en train de sursauter, cherchant où mourir. Merci en tout cas pour votre intervention. Masola Mabele, Kotikalaya Mabele, merci Mingi, Nabandeko, ba jeune, bozana plateau, Ndengo Bozolo Belango, ba chaîne Moussous Soukoutou, Kara, félicitations à la RTVH. Merci. Voilà. En tout cas, ba sujet à Boendeza Moutouya Mingi, Olia Kotia, la Rabiso, ba musique, qui tombe, me dit pourquoi, Bovanda Ranabino, Ndengo Bovanda, Nana Bolo Baga Mboka. Ah, tout respecté, pétante. Voilà, les Abene Bele, Menazuga Rami Bale Misatu, Gogo Londoulé. Tout si ça n'a pas douché Oyo, pour faut mettre un peu de soleil à blé jaune. Pour blé jaune, quand même, il y a ce que ma blé jaune. Alors, il peut être un à Oa Fati Coupe. Alors, deux sujets, Nathan et Trian Abiso, il nous reste pratiquement 15 minutes, ça sera difficile. Mais on a l'ingé au salle clôture, on a sujet Oata pendant une minute, il est en plus de 4 minutes. Les 3 minutes autres, au 6 minutes, le gamba blé jaune, ou qui ça c'est comme blé jaune. Et puis moi, l'Iloba par rapport à Fatikop. Et puis on va finir avec Denis Kamunga. De nous, comment Jojo Maël également, pour sa point de vue dans deux minutes. Parce que là, je vais m'en mettre les Paul de la Fatikop, on a bleu jaune. Donc, tu ne m'en dis pas, Gogo. Merci. Pour notre système éducatif, moi, je pense que les gens qui ont profité d'une occasion. Pourquoi pas, qu'on tape les quatre langues nationales. Et qu'on tape le système éducatif. Congolais, tout quoi, ça la maîtrise, mesure ou maîtriser, tu nous bas, soyez les lingala naki Congo. Le ministre de l'EPS est en train de nous suivre, sûrement, ou soit ces hommes, hein, en fait. À part Wana. Les loyaux, les gamins de Golbaï, toujours, dans un retour à l'authenticité. Mais vous, tu avez compris. Nous sommes des Bantous, mais le moment que l'occidentalisation a pris des racines partout. Tout ça, tout ça, il va être identité à sauter. Tout le monde ici. Surtout que les cas d'identité, ça a pris sauter. Il y a ça aussi. Donc, Eric Kabouya, nous avons pris au sérieux. Et puis, dans le même cadre, nous avons souhaité l'État peut amener au Tchamus dans l'école privée. Parce que l'école privée, c'est comme si on a congoté. Ils enseignent quoi, Naban? Pourtant, ils sont l'école privée, c'est belé. Ils ont enseignement en otage. Éducation en otage, tout le monde. Partout, on va dominer. Ils ont enseigné ni Nakat Naban. Ils ont géré un bon lobby. Donc, l'État congolais, face à la tour, de façon que l'école n'a pas été, et ça l'a être la paix viable et puis être dominé des rakala. Et puis, ben, c'est ma école pour eux. Ben, c'est que bon, ça, non, non, non. Faut l'état là, de la bango, nous quitter, ban la bus, l'obi. Bon, c'est la problème, surtout à Rambo, il y en a, il y a un commis. Et puis, comme il y a souka pour un côté d'un dossier, ou comme la loi Tchani, nous sommes amenés qu'ils ont la place. Parce que, nous, le minute, nous avons beaucoup d'infiltrés dans la carte d'Abiso. Le gens dans la carte de parlement, il y a combien de Rwandais? Rwandais, Congolais, André, Rwandais, Kouba, Kouba, Congolais. Ce que Kouba, Congolais, ben, Mazar, qu'on y va, c'est M23. On connaît pas ce Nakagami. Pour une idée, ni. Donc, moi, je pense que les élections prochaines, il faut que l'Andela, pour que tu quitté Mongo, qui peut être député, qui peut être sénateur. Donc, il y a la loi Tchanioyo, et que maintenant, il faut être député ou sénateur. Les originaires, pour une, oui. Parce que ce sont les gens du Parlement. Bah, quand tu es bien infiltré, on a danger, Zanine. Bah, on va voter la loi, Nine. Parce que ça va être la majorité.
Donc, là, pour la loi, il faut qu'on ait un niveau au Sénat, même pour nos députés, il faut des pères et des mères, pour nous éviter de bloquer. Très bien. Alors, qui ça, c'est comme un Bléjon? Bléjon, ils ont idée. Banda Kounion, son commercial bleu, en particulier, ils ont des grandes artères jaunes. En tout cas, idée, on a un peu de en tout cas, ma madame, on a un peu de réfléchir, ma casse sous, parce que, surtout que nous avons un bâtiment, l'État, tout à l'été, pas du peuple. Et comme blé. Bon, on dépensait combien? Toujours la paix du peuple. Ça, quand tu as mis le monsieur à l'État. Oh, il m'a bâtiment à l'État. Donc, en tout cas, côté on a, et ça m'a passé. Et puis, il est loyaux. Sous Zakom, et comme blé. Sous Zakom, blé. Et c'est belé. Quand tu as comme blé. On t'a dit comme blé. N'habite une intention. Il est sous Zakom, couleur. Combien, mon tchakuna? Donc, bon, on a paix du peuple. Donc, moi, je pense que l'idée Oyo. Et c'est une idée, mais il faut la discuter avec le Parlement pour n'en garder. Aux autres, les Gananzilas, est-ce qu'on sentit que tu as mon mouvement, moi, tu as les gablés, tu as déjà blé? En tout cas, on a une monité. Pour n'en garder, en tout cas, le gouvernement. On ne parle pas de la verre à souk. Et quand on souhaite que le gouvernement de Parlement, le député me rappelle qu'on peut dire, vous avez une bonne chose. Allez, Fatshi coupe. Fatshi coupe. Ah. Bon. Ah. Mon Konzamboka, est-ce que. Ah, la poussana. Et ça va prendre un coup de ça, mon Konamboka. Il y a un petit bloc, on était pour Nama. Tout comme Konamboka, on a un ami Bela Rosal. Kaboulo, Asala Moussana, il était journaliste. Ton senti à nous critiquer, mais il y a un peu de temps qui a posté. Tant à y est, tous les lapins n'aient pas fait coupé. Tous les lapins n'aient pas résultat convaincant. Par rapport à ma grand-mère, on a déclaré le Moussou. En ce moment, on a un tout cas, on a un bon manasse, on a fait coupé. Asala Moussana, tous les lapins n'aient pas. Au courant, c'est la part d'ailleurs une bonne chose. Voilà, de moi, comme il y a un alobi, les gambas blé jaune, Tito, qui n'a pas de souk, au Kanga Kinshasa, mon bimba, mon tacha, couleur raté. Oh, papa. Voilà, Fatshi coupe. Ah, Kaboulo. Ce qui fois ça, Zaragi, elle n'a pas de moyen. Pour laisser une fois, ça c'est les coéquipiers, en tout cas, Kaboulo. Nous avons le point de vue des quinoa à ton temps. Peut-être que tonton Denis, lui, il aime le sport aussi, peut-être dans un avis contraire. Denis, Kamunga, moi, une minute, hein, c'est ma conclusion, il y a le Kambouya Mabélé, et puis bleu jaune, couleur aux le bisabako, quinoa, mingi, mikolo, et puis Fatshi coupe. Merci tonton Brad, je crois que bah téléspectateurs on a vu ce bazar trop attentif surtout dans le sujet Oyo. Je crois que c'est de notre devoir et à qu'au vulgariser, sensibiliser paix quoi tirer surtout plus que veiller conscience patriotique. Oui, quand maman belé tout le bara il y a qui voisin té. Il y a un allé qui babo manara même pour un centimètre à mabélé. Tout le monde a comme Biso moko to sangana to yeba ko défendre o izali intérêt na biso. Le problème, moi je me dis, j'étais très content quand on avait fondé le ministère de la nouvelle citoyenneté. Mais peut-être que ba expliquer que ministre wana te atango wana tango zo ki ango qu'est-ce qu'il devrait, quel rôle il devrait jouer dans ces ministères. Nous avons le cours de civique, morale et civique à l'école. Civique ba tangi sara biso ni na kati na. Bah thanks les lois sociologie ceux qui ont tali na ba humanité bané sociologie za la ressource penzaté za la ressource penzaté. Donc les lois parce que nous avons des téléphones intelligents, nous avons l'internet, mieux vaut que ndeko tanga bilo wa mindele que au lieu de revenir à notre culture d'enseignement isali otoko ki ko dispatcher ceux qui ont tali na ba école ya ba les églises des noirs et tali seli na bango za différent na et tali seli o ya les lois ça c'est le problème, c'est plus le civisme. Banabaye bamboka. Le pan on a mis sur bande et à 10 mètres sur 10, 10 mètres carrés, et bande l'ouapi bor, n'est-ce pas que ce qui est l'ouapi. Ça c'est à clôturer dans le dossier. On a mis au Ezali, bleu jaune, au Ezali à Congolité. Là, tiens, nous la parenthèse, Naza contre cette proposition de loi.
peut-être que avec le temps tant que coûte en attendant la cima très bien qu'on développe en bleu jaune bleu c'est de la folie hein c'est de la folie oh. Oui la priorité ici pour embellir la ville. Priorité à Kinshasa pour embellir Ngobila est allé voir Félix Antoine Tshisekedi pour lui faire croire que Kinshasa est sorti par des 25 villes les plus sales. Maintenant Kinshasa est compté parmi les villes les plus propres, mais Nakamwaki que moi je devrais être même en face hein, parce qu'il est allé présenter les bourgmestres, c'est au bourgmestre Nyonso à la circonscription, mais ces bourgmestres là ne l'obéit pas parce que ils sont nommés par décret ordonnance présidentielle et non par décret ni à gouvernement provincial. Donc Ngobila devrait commencer par construire sa nouvelle poubelle à Kinshasa. Il devrait commencer par chercher comment on peut pallier à cette situation des érosions qui engloutissent la ville de Kinshasa. Mais passer à Selimba sur la libération. Aussitôt fait, il y aura le la venue libération ex 24 novembre, Mikolo Obanda Babuka, nous on croyait peut-être que nous Fongoli Nzela. C'est plus pire maintenant parce que Nzela est commis trop rétréci. Et puis, le problème des marchés clandestins. Bazo Lobango, gouverner au Congo, c'est quoi? C'est dormir, voir quelque chose en songe ou en rêve, et se réveiller, dire, je vais concrétiser ça. Alors que ce n'est pas ça, il faut avoir le temps, il y a quoi étudier. Ngobila doit commencer par toller alors Kinshasa. Non, après la morale, on se dit que nous na Kinshasa pour m'ayamboule kou yakate, et boukama, érosion terrible. Donc, c'est réveiller quelque chose de pareil. Donc, Bazo l'État a la banzété. Na ba balabala. Ba peindre banzété à l'État. L'État a la pancarte à Minene na balabala. Ba peindre ba pancarte à l'État. Il y a des maisons de l'État. Ba souci à ba policier ou ya banzanza wana ya bangar wana. Ba tiango bleu jaune. C'est ça. Ils ont exigé à ce que les voitures, tout ça soit de peine. Papa nga ndi malupa nga. Na tia couleur ou ezali na gouna nga ite. Je cherche un art qui peut quand même attirer. Quand vous voyez ça, drapeau. Non, je peux prendre le drapeau du Congo. Je suis congolais. Mais ce n'est pas peindre ma maison, mon mur que j'ai construit avec mon argent. Yo yo kwambeli, moi j'ai fait mon dessin. Yo le cause commencé, tu foutu jaune. Non, j'ai fini avec Fatikop. Fatikop, voilà. C'est une très belle initiative. Fatikop, oui. Pour nous sportifs, cap, c'est Fatih Cap, okay. La coupe de Fatih, c'est Fatih Cap, c'est en anglais. C'est en anglais cap. Alors, c'est une très belle initiative. On a coupé un peu performance, mais le moment est mal choisi. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'irrégularités au Isengé, Liba, revoir non, au niveau football congolais, Nabisso. Lila foot et Rosonga, mais on ne connaît pas encore Katinango. Il y a les élections qui doivent l'Assemblée générale élective, oui, Fouissel et Manafekofa. Tout s'est fait attendre. Mais aujourd'hui encore, bien que Fatih Cap, c'est une organisation de la Fédération internationale de football, mais l'organisation est confiée au président de la République. Et le président a remis à qui de droit? La personne qui jouit ses responsabilités, c'est le ministère des Sports et Loisirs. Mais on n'avait pas, la FIFA n'a pas donné l'appellation à Félix Tshisekedi. Félix a demandé au ministre des Sports de pouvoir donner une dénomination. Donc, comme on dit à Kaboul, c'est Kaboul qui a donné Fatih Cap. Là, c'est un culte de personnalité qui revient encore sur l'autorité morale, on peut le dire, de l'Union Sacrée. Et en dehors de ça, oui, on en a vécu avec Joseph Kabila. Peut-être c'est pour honorer Félix Tshisekedi. Ezakaka Awate, nous vivons la Coupe du Roi en Espagne, Ezalaka. Il y a la Coupe Yabani, Ezalaka. Mais le moment est mal choisi parce qu'on n'a pas d'infrastructure, bien que les pays étrangers vont venir, mais ils vont venir découvrir que les stades des martyrs qui souffrent de temps en temps. Donc il faudrait réorganiser d'abord les choses, voir les infrastructures que nous avons et chercher à pouvoir amplifier des compétitions pour permettre aux athlètes congolais d'être toujours performants. Voilà, on va écouter pour terminer en tout cas cette tranche d'animation matinale Jojo Mayele. Moi, je ne voulais pas le dire, mais il a dit sur ce plateau, lui, il est de l'Union Sacrée. Exactement, je m'assume. Je ne refuse pas. Oui. Peut-être que nous aurons un avis contraire. Exactement. Pour que Sungabi Sotoye Bela,
importance il y a bleu na jaune au gentil ngobila parce que jusque là on a habité couleur né comme isaka mboka propre tonine on a habité donc né qui ça ces aboyés tout pas comme bleu na jaune comme propre peut-être total na nous né makamongo zokende et puis fati cap voilà fati cap donc coupe dédiée au président de la République. Pour Nangaï, je ne sais pas un avis, je suis en train de faire la police de débat et nous faisons un amant à Souka, mais pour Nangaï, je pourrais penser peut-être sur les Alagata, une de grandes figures, il y a football, au titre de l'autre, Norana Nouté, Afrique, Péa, Betango, Mouakara, Ndaye, Moula, peut-être, il y a les Ganango sans problème. Bon, je ne sais pas, peut-être, toujours, Maïl aura les éléments à nous fournir, et aussi, pourquoi pas, avec Denis Kamunga, on va répondre avec notre. Émission sportive à partir de la semaine prochaine, qu'on s'en va 200 tiaboué pour qu'on recueille Kaboul accessible. Il est notre aîné à l'Ingarabiso Mingi, tu as mis plusieurs fois à l'Ingarabiso à fond, à l'Abiso porte pour qu'Ape Sabiso. Peut-être te rejuger à tort. Donc, comme c'est les micros, Ape Sabiso, l'élément Penza ou Tindi Babenga Kupoyo, Fachi Cap. Est-ce que Zali FIFA m'a sponsorisé? Est-ce que Zali gouvernement congolais? Mais moi je souhaite que Zali FIFA. Ce que gouvernement congolais, bon moi tout le monde me bela ça en tout cas dans sport na biso ou Zali ko lela ko umela. C'est la FIFA qui organise. C'est la FIFA qui sponsorise mais la RDC organise. Tu biso bon ça soutient. Biso bon que na lina foot na makam. Bon zo putana. Jojo Maele, on va terminer avec toi. Merci. On conclut avec Lucas Mabele et puis Fachi Cop. Et puis aussi ici, il y a le combat bleu, jaune, ou Ngobila. Ben oui, je vais... Exactement, toi. Je vais finir par... Narcisse, on a plutôt la question à Fati Cap, et puis finir par la question à jaune bleu. En fait, Fati Cap, je ne pense pas que c'est une nouveauté dans le monde. C'est quelque chose qui existe, qui a existé et qui existerait toujours. Je pense que Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, on va nous Jules Romain. Je pense que ce qu'on est en Espagne, il y a la Coupe du Roi, au Kenya, au Maroc, il y a la Coupe du Trône. Et moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faudrait dramatiser ou il faudrait hyperboliser. Non, c'est le moment où il y a gravité. Et puis, on a dit que c'est pour les moins de 20 ans. U20. Les U20, c'est une manière aussi de valoriser cette catégorie d'âge-là. Parce que le football aujourd'hui, c'est un investissement qui est procédural. Donc, Bandi Nabanami, qui est Tizorokola. Donc, je pense que l'aspect des choses, Wana. Il y a toujours des gens qui aiment polémiquer, les gens qui aiment créer la polémique et du brûleur, il ne faudrait pas chercher du bruit. Je trouve qu'il n'y a rien de spécial. Si on dit Fatou Cop, et comme si on pouvait dire Kimbangu Cop, comme si on pouvait dire Kabila Cop, donc ça ne pose pas problème en tout cas. Le nom qu'on a donné à cette troupe-là, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas. Nous connaissons aussi les réalités. Oui, dans le monde, après, c'est l'eau en fonction, on a pouvoir. Tant qu'on a beaucoup de changements de nom, tu te rappelles Stade Kamanio, là, le combat Stade Martyr, tu te rappelles Marambaba 20 mai, combat Bakombo, Moussou, tu vois, est-ce qu'on ne peut pas laisser la chose être la libella au lieu de lier ça, ils ont pris ça le rôle à Djalil, de lier à la personne dans un temps. Bon, sûrement, Moutar, on a pris Fatia, on l'a dit, comme on l'a. Mais Mouzer Laurent Désiré Kabila, héros national, les 16 janvier à Rafferie, Nana Laurent, l'on l'a atteint. Je pense que tout dépend seulement de la connotation et puis il y a Elo, Baopé, Selango, Ferrieto, Baopé, Selango, Combo. Moi je pense que Fati Cop, Bato, Bazo, discuter pour Nayango, ce sont des personnes, au fait, au moins Bato, Bandoubé, ta dame Nakala, Nakouin. Hein? Bata, Dame Nakala, y'a carte en bon. Bon, tu vas vraiment discuter sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien. Okay. Lorsqu'on bleu parle jaune, bleu jaune, je pense que. Aussi, ça n'a pas bêlé, hein? Toi, oui. je pense que bleu jaune. Et le roi Liboso, nous sommes dans une décentralisation. Dans la décentralisation, il y a chaque autorité qui occupe la portion de Mabele Naé ou Azali le rôle à développer sa politique. Je pense que M. Ngobila a la gestion et la prééminence dans la ville province de Kinshasa. Je pense que l'État, comme étant Léviathan, il y a un posaka marche à suivre. Parce que Ndeko Alobi, c'était que Zwanda Kuna ou Tchabou. Non. L'État, c'est le Léviathan. C'est pour avoir même pouvoir public. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre pouvoir. Donc, c'est lui qui impose et celui qui oriente. Et peut-être la seule question qu'il faut se poser, quel est le mode opératoire ou l'opérationnalisation
y a bleu jaune wana. C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais dire que Batia Babiloko bleu, Batia Babiloko jaune, je pense que ça revient de ses compétences, ça revient à lui. Et une sorte, il y a uniformisation. Surtout que Nabraza, tout le monde a un taxi, je suis à peine en vert. Tu veux donner un taxi à jaune? Non, en fait. Ici, c'est la société congolaise. Chaque société a la manière de se conduire. Et qui est dans ma camp. Et dans la société, je suis sur le quai. Je suis sur le quai. Au commun, dans la ville, dans le quartier. Et là, il y a des gens qui ont s'enregistré par chef de rue. Par rapport à Baye Bayo. Mais est-ce qu'au préalable, entre nous, Jojo, parce que. Les maisons commerciales, peut-être soit le bas qui bandak ou il y a l'État, va peindre en gros bleu jaune, l'État a un monopole sur Babylon. Non, bandak ou il y a l'État. S'il vous plaît, on va poser une question si ça allez-y. Okay. Mais bandak ou il y a privé, à son bas qui bandak ou il y a l'État, est-ce qu'on ne pouvait pas procéder à une entente avant? Ton solo là, ton tal à ma voisin moyen, parce que oui, aux ans l'État, dans un ma belle, mais ça, vous avez un ton solo là, pour ton tal à ma voisin moyen, pourquoi c'est une décision pour y avoir une décision pour quoi à ma taxe à ma fille, au fait, l'État, c'est lui qui, dans sa dimension, l'État est un patron, il y a une dimension où l'État est patron, c'est lui qui organise, non, pas toi, solo là, ma saleté, non, yoka, il y a une démocratie, non, dans ma dimension, démocratie peut pas à mon condé, mais l'État. Il y a un peu de gérer la vie sociétale. Mais dimanche, il y a un patron et nous, là, il y a un organisé, un orienté, un guidé. Et puis, c'est lui le chef. Alors, dans la dimension, on a ceux qui apprécient l'orientation. La première des choses, il faut que l'on a. Au moins, il y a un terrain, par exemple, dans la ville qui province de Kinshasa. On te dira que dans le terrain, il faut que l'on a une maison basse. Pourquoi? Parce que le sol est marécageux et puis l'État exige que wana batunga kala. Bah le bac est au préalable. Mais c'est une décision, une décision qui est prise aujourd'hui. On ne dit pas que banda gounyoso. Le roi a tué un acte pigeon. Ben si vous ne votez jaune. Banda gounyoso est un abat. Si vous babi banda gounyoso, oh gounyoso c'est un abat, un abarté, un acte. Ah pour sa couleur. Mais ils vont donner des trucs. Parce que yoka. Non, pas l'état mou toi couper ça yango. La couleur n'a pas. Mais Ochet. Non bien, je vous donne un exemple. Ndeto futaka impôt foncier. Na somba mabele. Yo. Tu go foutre impôt foncier pour. Et on foutre impôt foncier pour. Donc bato ba foutre impôt locatif. Ba locataire yana. Yayo, c'est que pourquoi on se fout un peu locatif. Très bien, on va finir. On nous fait signe l'État est parti. C'est un dossier de tribut au foutre annonce. Un mot de la fin, rapidement par rapport à Makamba Mabele au conclure. Conclure un mot comme ça. Moi je pense que Mabele, né dans le lobby là-bas congolais, c'est un patrimoine. Ok. Quand on parle d'un patrimoine, c'est un bien qui est commun. Aujourd'hui, lorsque nous regardons l'histoire de l'Afrique, la terre est un patrimoine qui est héréditaire. De génération en génération. Au moment de quoi le long mois, au moment de quand maman belle n'est qu'on a de quoi qui co maman. Je suis en train de naviguer dans l'histoire romaine. Lorsqu'on a fondé Rome, Romulus et Rémus va bon mara les colloies à ma belle parce qu'il fallait Moroza là, Mokondi à Moko, les deux jumeaux va bon même Nicolas à ma belle. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, comme le président Bahati a dit, il faudrait que nous laissions tout ce qui est inutile là. Il faudrait que nous laissions tout ce qui est boawa, tout ce qui est contentieux électoral, actuellement. Au moins, le Togo va nous conseiller la discussion, madame Nios. Mais si on m'a belé, les attitudes, Nios, c'est tout annulé. Voilà. Oh, vérité des urnes. Oh, démocratie. Oh, tout ce qu'on veut là. Si m'a belé, les attitudes, tout ça, la discussion, on a. Très bien. Voilà, merci en tout cas, c'est les dossiers de la semaine. Demain également, on va en parler. La semaine prochaine, on va démarrer aussi avec ce sujet. Le club d'actualité retrouvait cette tribune tout le vendredi, donc entre 9h et 10h30. Nous serons là 1h30 pour réfléchir sur notre pays, la République démocratique, ou soit l'actualité, le sujet de l'heure. On sera là avec les amis journalistes, les amis politiques. Pour en parler. Merci également à tout le monde. Merci à Gogo Londolé. Merci à Denis. Merci à Jojo qui était là comme intervenant. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Jérémy Malelou, Christian Tondo. Joyeux anniversaire encore une fois de plus à une personne qui nous est très 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 chère. Madame Clarisse Luzayamou, maman na Luxen, maman na Jason, maman na Elam. Bolimbi Simakasi pour la vidéo. Tout de suite avec Jérémy l'a dit, c'était vraiment impossible de le mettre.
Mais demain, on va récupérer. On a 72 heures pour fêter cela. Demain, on va récupérer pour ces joyeux anniversaires. Un gros bisou à toi. Et on va se retrouver sûrement cet après-midi pour fêter ensemble. Allez, la tranche a pris fin. On se retrouve demain matin à 9h pour Massolo à Mboka. Mais revenez avec la tranche les lundis matin à 9h. Je serai encore là avec Gogo Londolé ainsi que cette forte équipe pour vous parler toujours de réalité de notre pays. Au revoir et bon week-end à tous. Merci.